Salut tout le monde, Morden avec vous ce soir pour un tantinet de X again because I like it. Puis en plus, on a un free draft. On en a un par semaine pendant au moins un an parce qu'on a kickstarté cette merveille. J'ai roulé quelques coffres depuis la dernière fois. Avec de l'argent gagné en tournoi et ça m'a donné quelques items comme vous pouvez voir. J'ai descendu dans mon nombre de paquets parce que j'ai fait d'autres tournois. En moyenne je gagne à peu près un tournoi sur trois. Puis en stream j'ai pas l'air d'aller chercher plus que la deuxième ronde en moyenne, donc on va espérer que ça va être un peu mieux pour ce soir. Donc on va aller voir s'il y a un tournament qui est sur le bord de partir. Et effectivement, il y en a un. On va join. Puis on va sûrement commencer ça à genre là. C'est parti. Voyons voir. Ok, les meilleures cartes du paquet sont, selon moi, le Forgotten Lord, le Flock of Seagulls, le Survival of the Fittest, le Sensei, puis potentiellement l'Enforcer. Si je regarde mon paquet, la couleur qui me tente le plus, c'est le Wild, donc le vert. Et la carte qui me tente le plus dans le paquet, je pense que c'est le Survival of the Fittest. Par contre, le Flock of Seagull et le Forgotten Lord m'intéressent beaucoup. Le Opiro, j'en ai déjà un shitload, puis en draft c'est pas mauvais, mais ça prend de la ressource en tabarouette. Je vais y aller avec le Survival, mettons. Ouh. Dans ce paquet-là, j'aime beaucoup Ripple, Burn, le Griffin, le Waldora et le Evoke. Je pense que dans un deck qui risque présentement d'être Wild, j'aurais tendance à y aller avec le Wildora. Par contre, Ripple me semble très efficace. Ripple. À date, j'ai deux Remove. Ok. J'aime beaucoup ce paquet-là aussi. Des cartes que j'aime beaucoup. Burn, Howling Brave, le Witch, le Scrivener, parce que là on s'enligne. Wild Diamond. Le Kraken Guard Mariner est toujours très très excellent. Puis je pense que ça va être mon choix en ce moment. Son habileté qui fait que les alliés sont steadfast pour tout ce qu'il y a 2 et plus, c'est juste écœurant. On va y aller avec le Mariner. Le +8/+8 qui était à côté est très bon aussi. Très très bon. Ok. Dans les cartes que je regarde, si je me fie aux cartes que j'ai pognées pour l'instant, je regarde le Whisperer, je regarde l'Instigator. Guard Dog me laisse un peu froid, même si je l'ai déjà vu être chiant. Mais je pense que je vais y aller avec le... Je pense que je vais y aller avec l'Instigator. Ouais. Instigator. Une 2-4 pour 5.
2 Threshold Vert, mais Crush puis Rage 2. À chaque fois qu'elle attaque, elle gagne 2 de pouvoir d'attaque. De très bonnes cartes encore ici. Je regarde probablement le Saper's Charge. Le Saper's Charge et l'effigie dans mon livre à moi présentement sont les meilleures cartes pour le genre de deck que je veux monter. Le Protectorate est pas mauvais, mais on risque de le revoir passer. L'effigie est juste trop débile. Mais le Saper's Charge se joue dans tous les decks ou à peu près. C'est vraiment en draft une des très bonnes cartes de draft. Parce qu'il peut jouer aussi avec l'espèce de Feral Ogre risque fort potentiellement d'être mon choix. Il arrive vite puis il frappe fort. Le Sky Griffin pourrait être un bon choix aussi. Si je regarde au niveau du cost, on est relativement bas. Puis je veux que ça reste à peu près comme ça. Mais un 2-4 flight qui se taperait pas pour attaquer. Feral Ogre est juste écœurant, mais le Griffin va potentiellement me gagner plus de parties, je pense. Non, j'ai envie d'y aller avec le Ogre, considérant que j'ai quand même pas mal de removal pour l'instant. Dans ce paquet-là, c'est assurément le Sensei. Le fait de piger des cartes dans un draft, c'est toujours, toujours très intéressant. Donc, je vais y aller avec le Sensei. En ce moment, on s'enligne pour avoir du Wild en majeure partie avec un splash de Diamond. Ça serait comme bien correct comme deck. Je vais y aller avec le Vine Trap. 2-4, 4 de défense dans X. Dans un draft, c'est vraiment très très bien. Surtout si on peut réussir à trouver des cartes pour le booster un petit peu. Donc Vine Trap. Encore une fois, Vine Trap. Pour 3, une 2-4, c'est très bon. En plus, elle n'est pas défensive, même si on aurait pu penser qu'elle pourrait l'être, étant donné que c'est une plante. Mais non. On va essayer ça. L'Infusion of Diamond est vraiment pas mauvais. Les troupes que je contrôle gagnent Life Drain ce tour-ci. C'est très tentant. C'est soit ça, soit le Shard of Fate. Le Shard of Fate, considérant que je vais avoir beaucoup de petits casting costs, me servira probablement pas parce que ça prend un tour avant de te donner une ressource en réalité. Ça, au 11e pic, c'est un vol presque à main armée. C'est vraiment excellent. Héroïque. J'ai pas de carte de mes couleurs. Je veux prendre la carte qui risque le plus de me faire quelque chose. Il n'y en a pas une qui me rend. Je pense que c'est celle-là la pire. Tu veux pas nécessairement le rencontrer, le ritualiste, parce qu'il trigger d'autres habiletés de d'autres cartes. Dans ce paquet-là, je veux pas trop avoir de petites créatures contre mon deck. Donc le Enforcer, on va s'en débarrasser. Lui me laisse complètement indifférent. Le Cosmic Totem peut toujours se jouer en sideboard contre un deck qui me ferait miller mes cartes, en fait. Puis je termine mon paquet avec un magnifique zombie déterminé. Oh, qu'il y a de la bonne carte dans ce paquet-là, c'est juste ridicule. Ridicule. Le Protectorate Defender est pas mauvais. Par contre, j'en ai déjà 4, je pense, dans ma collection. Puis je pense pas qu'il ajouterait tant que ça quelque chose à mon deck. Le Shell Safe est une des très très bonnes cartes en ce moment.
J'adore cette carte-là. Le Lord Goyle peut être très bon contre justement les decks où il y a du milling. Le Ripple est excellent. Le Wild Growth est parfait. My. Je pense que je vais y aller avec le Cell Shave parce que c'est celui qui risque le moins de revenir. Mais je suis pas mal certain que quand je vais voir ce paquet-là revenir, il n'y aura plus de Wild Growth, plus de Mordor, plus de Ripple, probablement plus de Lord Goyle. Blood Aura, Time Ripple. Il y a beaucoup, beaucoup de bons contrôles dans ce deck, dans ce paquet-là. Ça fait mal au cœur. Cell Shave. Dans ce paquet-là. Oh my god. Ok, dans ce paquet-là, je serais tenté d'y aller avec le slow. Juste pour pas que les autres decks, surtout ceux qui auraient des decks d'artefacts, soient trop puissants. Parce que dans le fond, pour 3, tu exhaustes une autre artefact que tu contrôles, puis tu le transformes en Warhawk. C'est juste ridiculement dégueulasse. Faut pas que ça passe. Dans ce paquet-là, probablement un autre Survival of the Fittest. Quoique le Sapers Charge pourrait être très intéressant si je le mixe avec ça. J'ai tendance à y aller avec le Sapers. À cause que je viens de pogner le Slaughter Gear. Ouais, ça peut devenir drôle ça. Un deck de Wild Diamond avec des artefacts, c'est quand même drôle. Dans ce paquet-là, il y a à peu près juste le Wild Aura qui m'intéresse. Fait que... Boom. Easy shot. Dans ce paquet-là. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a le Wielding Bot qui m'intéresse. Je vais commencer à les classer par cost. Le Wielding Bot m'intéresse. Le Scrivener, parce qu'il donne des vies, c'est tout le temps le fun. Le Evolve m'intéresse quand même, parce que je pourrais décider que ça peut être le fun d'avoir des créatures plus grosses. Le Wailing Brave est toujours intéressant parce qu'il augmente le nombre de ressources que tu as. Je pense Evolve pour grossir mes créatures pour pouvoir me servir des Survival of the Fittest et ces genres de choses-là. Ouch! Dans ce paquet-là, il y a le Boulder Brood qui est vraiment excellent. Puis il y a un autre Heroic Inspiration qui est très fort aussi. Je pense que le héroïque repassera pas, ni le Boulder Brood. Fait que faut que je fasse un choix. Si je vais partir... J'ai pas incroyablement de créatures, mais on est à moitié du paquet 2. Mais je pense, savez-vous quoi, que je vais l'essayer pareil. Le Heroic Inspiration. Très bon paquet! J'hésite en ce moment entre le... Pegasus puis le Feral Ogre. Feral Ogre. Je vais probablement y aller avec l'Ogre parce que je veux essayer de l'envoyer le plus possible wild. Mais le Pegasus, c'est comme